Hop là, je manquais un petit round 2 sur le Lucky Lucky, donc je pensais éventuellement tester la machine à sous Galactic Cash Attack, mais je me suis dit bon bah je vais rester là-dessus. Mise Maxi, on va essayer de le faire hacker. Enfin de le faire hacker un petit peu plus que ce qu'il a hacké sur la précédente partie. Alors j'espère que c'est pas une erreur d'avoir fait un retour sur cette machine, mais bon de toute façon. Ce sont des jeux totalement imprévisibles. C'est clair qu'on peut jamais prévoir l'avance. Si on va gagner ou si on va perdre, c'est le hasard. Mais quand même le hasard qui fait plutôt gagner sur le casino sur le long terme. Alors j'avais quitté cette partie sur un joli win à 4000 balles. Bonne ou mauvaise idée d'enquiller un round 2 sur cette machine à sous, ça c'est la réponse dans quelques minutes. Oh, big win, est-ce qu'il y a un x2 ou un x3? 2000 balles. Alors on remonte à 7007. Hey, double multiplicateur, j'espère qu'il va pas me balancer des x1, 3000 balles. 1 x 3 et 1 x 1, ok. Alors, 10 406, 10 406. Ouais, bah, je pense quand même que là, je vais en rester là. Hop, mission accomplie. Ouais, j'avais commencé ce round 2, c'était 7 306 si mes souvenirs sont bons. Bon, bah là, 10 406, balance à 5 chiffres. Donc là, je pense que le plus sage, c'est de faire un arrêt de partie et éventuellement d'attaquer la machine à sous Galactic Cash Attack un petit peu plus tard. Enfin, prise de risque, mais au final, ça a raqué. Ouais, sur ce, la bise à tous. Rendez-vous très prochainement pour enquêter donc ces parties de machine à sous. Là, ça va attaquer du lourd. D'entrée, balance à 5 chiffres. Enfin, on verra bien.